Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.8 sur ma map Ramsès 2. Je suis revenue sur ma map Ramsès 2 alors que je n'ai absolument rien construit. Et en fait, je suis là. Coucou! Ah, rien m'amuse. Non, mais oui, voilà. J'ai rien refait, mais je ne sais pas si je vais aller faire le haras de Ramsès 2. Le haras, le harem, Orphéa, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes animaux. Le mycorhizé homme, je ne sais pas si je vais le continuer, je ne sais pas trop comment le faire en fait. J'étais à la bibliothèque chercher un gros livre sur l'Égypte ancienne. Et eh ben, même sur Internet, hein, je ne sais pas si ceux qui font des articles à droite à gauche sont un petit peu coincés du cul, mais le harem de Ramsès II, t'en entends parler nulle part. Hein. Si, t'as des informations sur Internet, bien évidemment, tu trouves tout sur Internet, faut pas déconner non plus. Mais t'as pas vraiment de description, d'explication, de plan ou quelque chose. Je sais pas. Voilà. Que ce soit de Ramsès II ou d'Akhenaton, de Toutmosis, de qui tu veux, quoi. J'ai pas trouvé. J'ai pas. Oh, je cherche mal, sans doute. Oh, accuser Internet, quand même. Bon, bref. Donc, j'ai pas trouvé l'information, mais en ce moment, je regarde la série Prêcheur. Ne reste plus que deux épisodes. Il faut attendre donc mardi matin pour pouvoir voir l'avant-dernier épisode. Marc Phoenix et moi-même sommes complètement accros à cette série et attendons avec impatience de savoir ce qui va se passer, bordel de merde! Parce que là, ça va pas! Jessie a perdu un œil! Ouais. Klaus, l'Allemand, il s'est fait bouffer le pied. Hein, c'est moche et pas que. Costume 3 pièces, pouf, parti dans la gueule d'un dingo. Alors, dans le texte, en anglais, c'est dingo. Voilà. Bon, bref. Bon, si vous ne connaissez pas Prêcheur, surtout si vous n'avez pas l'âge de regarder Prêcheur, n'allez pas voir. Si vous êtes un petit peu jeune et pas envie de regarder des vidéos qui sont un petit peu interrogantes. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Qui posent des questions, qui rendent un peu dingue sur les bords, oui, évitez. Donc me voilà dans la ville de Prêcheur. Salut! Alors c'est pas Jesse parce qu'il a deux yeux. C'est pas Cassidy parce qu'il est pas tout blanc. C'est pas Tulip parce que Tulip elle est un petit peu métisse, un petit peu noire, et donc c'est pas ça. Toi peut-être, coucou. Ah, oh, non, t'es même pas le sein des tueurs, et tu n'es pas du tout Eugène, ouais, ni bon, bref, ni le nouveau chef des enfers. Mais je ne vous dis pas son nom, parce que si vous ne connaissez pas Prêcheur et que vous avez envie de le voir, ça serait dommage que je vous crache le morceau. Bon, donc là, ici, c'est la ville de Prêcheur. Je vais essayer de faire progresser la ville gentiment. Faudrait que les PNJ s'y sentent bien, qu'ils me fassent des bébés à la pelle et au seau. C'est sûr qu'on n'est pas en 1.14. Je trouve que le 1.14 est bien. Bah alors les PNJ, pas faire des cœurs, des éclairs, genre, hein, la villa des stars ou les couples ou les Marseillais ou je sais pas quoi, là, les ch'tis en balade, les machins bidules chouettes. Je t'aime, oh moi aussi, oh non, je ne t'aime plus. Oh, purée, quand t'as le malheur de zapper là-dessus, il te faut un petit seau pour vomir dedans. Excusez-moi si vous adorez, hein. Je suis désolée, mais alors moi. Je regarde Prêcheur, donc tous ces machins-là. Bref, donc on va dire quoi? Voilà, donc en 1.8, les PNJ ont font des bébés, mais beaucoup moins qu'en 1.14.
Le 1.14 qui, selon moi, est un chouïa abusé. Sachant que les maps sont lourdes quand il y a beaucoup de PNJ, tu mets un couple de PNJ, ils vont te faire un bébé, deux bébés, trois bébés. Et après, les bébés ensemble, enfin, voilà, tu te retrouves avec Néandertal, là, direct. Bon, ça colle vachement avec Ramsès II, parce que ça a été le problème en Égypte ancienne. C'est le non-renouvellement des chromosomes, hein, et la consanguinité. Je dis ça, mais bon, voilà, quoi, c'était l'époque, hein. Les rois aussi ont eu ce problème-là et tout ça. Et c'est pas forcément ça qui a fait s'écrouler l'empire des pharaons. Bref. Bon, voilà. Que voulais-je dire d'autre? Je ne sais pas. Je vais aller faire dodo, ça ira peut-être mieux. Moi, si vous avez suivi un petit peu mon histoire là depuis à peu près un mois, j'étais, je pense que ça va quand même s'arrêter à force, en poussée de sclérose en plaques, j'ai été à l'hôpital pour faire des perfusions de corticoïdes à haute dose. Là. Bah oui, mais j'en ai pas. Oh, d'accord. Et tac. Et là, j'attends d'aller mieux. C'est pas gagné-gagné à première vue, mais enfin bon, si tu veux. Faut faire avec. Tac. Content. Hein. Ah, des diamants, j'en ai. Tu veux des diamants? Allez, viens. Attention. Il en a marre. On dirait Mo dans les Simpsons. Allez, on va lui prendre une petite pioche. Et puis c'est tout. Je les récupère, parce qu'à chaque fois je balance tout dans la gueule du PNJ. Salut, ça va? Ouais? Bon, alors maintenant t'es en forme, tu vas aller voir faire des bébés pour qu'il y ait beaucoup de monde dans cette ville. Que voulais-je faire de plus sur cette map? Ici, j'avais fait un pont que j'ai détruit parce qu'il était moche. Voilà, simplement, il y a des moments dans la vie où il faut se rendre compte quand on fait quelque chose de laid. Chose que quand t'as Facebook, tu te dis mais ils se rendent pas compte que c'est laid. Et pourtant, ils nous le montrent. Voilà. Oh, quoi, j'ai le droit une fois de temps en temps de dire des vacheries un petit peu. Est-ce que certains se retiennent de t'en dire? Non. Gray. Donc, comme d'habitude, on fait la route en gray. Hop. Voilà. Hop et hop. Que voulais-je dire? Oui, en ce moment, Marc Phoenix et moi regardons beaucoup de séries. Le matin, au petit déjeunant, le temps que les filles se lèvent. Hop, on regarde des séries, donc là, bah, Prêcheur, on attend. Et dernier épisode, en ce moment, on regarde The Rain. Et on se demande bien ce qu'on va pouvoir regarder après, parce que là, franchement,
faut dire qu'on tape fort en regardant Prêcheur. Tu regardes Prêcheur, tu regardes The Rain, tu regardes Lucifer, tu regardes Happy, tu regardes Good Omens. Et là, après, ah oui, t'as regardé Umbrella Academy aussi, hein. Et là, ah, Titan aussi. Ouais, je cherchais laquelle me manque. Parce que la vidéo, là, ça fait 4 fois que je recommence, hein, si tu veux savoir. Donc, y a des fois, je me pose des questions et je trouve la réponse dans la vidéo 3, tu vois. Alors que là, je suis en train de tourner la cinquième. Hein. On se demande bien ce qu'on va pouvoir regarder comme série après. Quand tu tapes dans le haut level, c'est pas forcément évident après de s'orienter vers quelque chose d'autre. Je sais pas si je suis dans le bon axe. Ça, c'est nos voisins, les hommes. Oui, parce qu'on est aussi bien série un petit peu space que dessin animé. Voilà. Comme ça, au moins. Nous, il y en a pour tout le monde. Hop. Et là, on va faire ça et ça. Voilà. Pour orienter vers l'entrée. L'entrée du temple qui est ici et qui n'a pas de chemin en fait. Voilà. Maintenant il y en a un. Mais il est juste. Suggéré. Voilà, attends, j'étais en train. J'avais trouvé le mot, mais j'étais en train de chercher comment le dire. Bon. Soit dit en passant, moi. Je vais vous laisser pour l'instant. Les filles sont à l'étage. Lucie doit regarder un dessin animé, Violette aussi. Et moi, je vais en profiter pour continuer mon livre, La Route. J'ai pas fini de le lire. Et je crois que je suis pas prête de le finir parce qu'hier, je l'ai pris, j'ai lu une page et après, j'ai trouvé un truc intéressant sur. RMC, je crois. Donc, du coup, ça tombait mal. Bon, bref, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu de rien et un peu laborieuse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour la suite. Quand, je sais pas. Mais on se retrouvera. À plus.